Bonjour, je suis Brice Roy, je suis directeur pédagogique à l'ICANE, je m'occupe de la filière Game Design. Le bachelor Game Design s'adresse à tous les passionnés de jeux vidéo, que vous intéressiez plus à la partie conception, écriture de règles, à la partie image ou à la programmation. C'est une formation bac à bac plus 3 qui se déroule de manière hebdomadaire. Vous avez 18 heures de cours par semaine en moyenne. Et en plus de ça, vous avez aussi des stages qui sont proposés et qui sont obligatoires à partir de la deuxième année. 40 jours en deuxième année, 65 jours en troisième année. Au niveau de l'offre pédagogique, c'est un programme qui est constitué autour de trois pôles. Vous avez tout d'abord un ensemble de matières lié au game design pur et dur, donc que ce soit la conception de système de jeu, le level design, le QA testing, l'ergonomie, le narrative design ou encore le quest design. Un deuxième pôle qui concerne plus tout ce qui est lié à l'image, donc graphic design en 2D, en 3D. On utilise toutes sortes de logiciels, que ce soit 3ds Max, Blender, Illustrator ou encore Photoshop. Et puis enfin, il y a un troisième pilier très important, c'est le pilier donc programmation. Dès la première année, on apprend à coder ses propres jeux vidéo. D'abord sur des logiciels faciles à prendre en main, comme GameMaker ou Construct. Puis ensuite, on évolue vers l'utilisation de Unity 3D et du Unreal Engine. À la fin de son cursus de bachelor, l'étudiant dispose d'un diplôme reconnu par l'État de niveau 6. Il peut prolonger en master, soit en suivant le master Game Design, le master Game Art ou encore le master Game Programming. À l'issue de leur formation, les étudiants peuvent se positionner sur différents métiers: Game Designer, Level Designer, Ergonome, Narrative Designer ou encore Graphic Designer, spécialiste FX, Technical Game Designer, programmeur gameplay ou aussi chef de projet dans le domaine du jeu vidéo.